Voilà, ça part en Slovaquie. Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality? Donc je prends le train jusqu'à Paris, j'ai un train à 11h58, là j'ai de la marge, il est même pas 8h30. Et ensuite, une fois que j'arrive à Montparnasse, je prends le métro, je vais à la Porte Maillot. Et une fois à la Porte Maillot, à 17h, il y a une navette qui m'amène à l'aéroport Paris-Beauvais, parce qu'il y a que de là-bas qu'il y a des avions pour la Slovaquie. Et ensuite, avion à 20h, arrivé à 22h à Bratislava, et à 22h, j'ai de la famille qui vient me chercher. Et voilà quoi. Ça fait bizarre hein. Bon par contre pour charger le sac et tout, je t'avoue que ça n'a rien à voir avec l'Australien. Là j'ai pris des affaires d'hiver et tout, c'est pour ça je suis archi chargé tu vois. Développement personnel, tout ce que tu veux, tu vois, on va en parler. Mais là, il faut que je me repose, je suis mort, tu vois. Et bah écoute, bienvenue en Slovaquie. C'est la première fois que je suis ici à cette saison là, genre début printemps, fin de l'hiver, et ça fait vraiment plaisir. Moi j'adore ce froid, il y a vraiment un air très différent. Je vais te faire le vlog voyage là, je vais te faire le vlog perception tu vois. Mais l'air est très différent, j'ai l'impression qu'on sent qu'on est un peu dans la montagne tu vois. Du coup c'est beaucoup plus frais, enfin tu respires vachement mieux quoi. Et bien sûr bah il y a cet esprit slave, tout le monde est très froid, tout le monde fait la gueule tu vois. Les filles sont beaucoup plus grandes que chez nous tu vois. Ici c'est le minimum c'est genre 1m75 et les mecs sont tous c'est des armoires tu vois. Bon t'as vu il y avait un truc une pancarte qui dénonçait la mafia et tout, donc c'est un autre pays quoi tu vois. Mais ça fait plaisir, moi j'adore ce pays, j'adore cette ambiance. La voiture de mon grand-père, tu sais c'est Skoda la marque tchèque, et je regardais un petit peu autour parce que la dernière fois je l'avais conduite mais j'avais pas trop d'expérience avec les voitures. Bon je suis pas garagiste mais je m'y connais un peu plus, et franchement la peinture est nickel, je pense pas qu'il ait jamais refaite. Et le truc il a quoi, il a 40 ans tu sais, les pneus sont nickel et tout. Je pense que quand j'étais petit à l'époque c'était courant les voitures comme ça dans la rue, mais maintenant c'est limite, ça va devenir une voiture de collection, tu sais, c'est super vieux ça. Et salut et bienvenue dans notre nouveau studio, tu vois, à partir de maintenant c'est ici qu'on fera les vidéos. Alors normalement je voulais m'asseoir, j'ai une chaise ici tu vois, mais le problème c'est que quand je m'assois sur cette chaise, dans le cadre il y a ça qui apparaît tu vois, ça c'est moi en sixième. Enfin là il y a des photos de moi partout si tu veux, ça c'est moi, ça c'est ma cousine, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre. Enfin il y a des photos de la famille partout tu vois, là il y a ma mère,
Du coup, voilà, écoute, je voulais te dire bah, bienvenue, je suis vraiment super content. Je suis allé me boire une cofola, tu sais, c'est la boisson traditionnelle ici, je t'en reparlerai, je te refilmerai tout ça. Mais je voulais juste qu'on se pose et finir cette vidéo pour, en te disant un peu bah, quels étaient mes plans et tout, pourquoi je suis parti, et te donner un peu de contexte pour tout ça, parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu chelou. L'idée en venant ici, c'est quoi? Tout simplement, ça déjà bah, de voir ma famille, tu vois. Moi, j'ai des grands-parents, ça faisait longtemps que je les avais pas vus, et je m'assurais de les voir un petit peu, tu vois. Ça faisait longtemps que après l'Australie, j'avais pas eu de contact ou quoi, donc déjà ça. La famille et puis aussi bah, le cadre, tu vois, parce que je sais pas, après être rentré, j'avais très très envie de rentrer en France quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Et puis après un ou deux mois, je sentais que j'avais besoin un peu d'un coup de peps, tu vois, un petit, je sais pas, une sorte de petit coup de pied au cul. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas partir en Slovaquie? Alors, tu vois, c'est pas non plus le méga challenge comme en Australie où il fallait que je trouve un boulot et tout. Là, tu vois, non, j'ai quand même des économies de côté et tout. J'ai assez de temps pour bosser sur mes projets. Mais ça me permet d'être dans un cadre différent. Ça me permet de pratiquer le slovaque, de communiquer différemment et puis d'être dans une autre ambiance aussi. Tu sais, la Slovaquie, c'est très très différent de la France. J'ai fait cette petite balade ce matin et je m'en suis vraiment rendu compte. C'est que c'est un pays qui garde beaucoup beaucoup de traces de l'ancien temps, tu vois, l'Union soviétique, tout ça, tu sais, tous les pays de l'Est, mais qui commence à qui se développe en fait, qui est en pleine phase de développement, tu vois, par-ci, par-là, des barbershops, tu sais, les barbershops, c'est des trucs qui sont récents avec la mode un peu hipster et tout, tu vois que ça se développe, il y a des trucs de plus en plus de réalité virtuelle et tout, donc j'aime bien cette ambiance-là. Donc voilà, l'idée, c'est juste de profiter un peu de cette vague de jeunesse et de, comment dire, de progrès pour en même temps, moi, me projeter là-dessus, quoi, bosser un peu sur mes projets, bien sûr, faire des vidéos, c'est la principale raison pour laquelle je suis venu aussi. Et puis bon, voir la famille, profiter des montagnes, ça se trouve je vais aller skier là, j'en ai parlé avec une de mes cousines et on va peut-être aller skier dans pas longtemps, donc un peu tout ça quoi, tu vois, c'est vraiment du méli-mélo, mais en tout cas nous on reste ensemble, on continue notre chemin ensemble et puis voilà, on va se retrouver comme d'habitude, juste que ce sera en Slovaquie et t'auras d'autres images, d'autres décors. Voilà, écoute, d'ici là, merci d'avoir suivi cette vidéo. À partir de maintenant, ce sera comme d'habitude, je ferai une vidéo par jour. Et puis moi, je te dis à la prochaine, mon ami. Si tu me suis pas sur Facebook, t'as un lien dans la description, il y a beaucoup plus de news et tout. Bon, même si là, j'ai pas d'accès à Internet, genre en Wi-Fi, chaque jour, j'essaierai de poster des trucs. Donc si ça t'intéresse, que tu vois là, tu vois, tu trouveras beaucoup plus et tu pourras faire partie un peu d'une communauté qui te ressemble. Allez, moi, je te dis à la prochaine, mon ami. Passe une bonne journée. Ciao.